What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque je continue ma série. Alors, comment devenir un hacker, dont je pourrais aussi changer le nom. On verra par la suite hein, de ce que vous en pensez tout ça. Aussi, d'une chose très importante, pourquoi je continue ma série comment devenir un hacker, parce qu'en fait, je mettrai le lien dans la description. Eh bien, je vous ai proposé tout simplement un petit, voilà, pour faire des petites statistiques. Hein, je vous posais la question, vous préférez quel type de vidéo? Il y avait mes types de vidéos différentes et quand on regarde par exemple les résultats, tout simplement on peut remarquer que comment devenir un hacker était à 37%, soit avec 111 votes, comparé à la deuxième place par exemple Breaking News à la 33% avec 101 votes, et puis après ça diminue vachement à 20% voire 10% des votes. Donc franchement, votez. Alors je sais qu'essentiellement dans cette vidéo là les gens seront plus pour comment devenir un hacker, mais voilà, si vous êtes intéressé par une autre série, n'hésitez pas hein, parce que d'ailleurs c'est vachement bien fait. Et en fait, je ferai en fonction de ce que vous désirez, tout simplement, ce qui est plutôt, on va dire, assez agréable pour vous, parce que voilà, c'est une liberté de d'expression, de vote, hein, qui va vous permettre à votre youtubeur, donc moi, de faire à peu près ce qui vous intéresse le plus. Alors, on va actuellement, donc je vais ouvrir tout simplement, qui est déjà ouvert d'ailleurs, un bloc-notes, et on va parler aujourd'hui de l'adresse IP. De comment ça fonctionne et tout. J'ai fait pas mal de vidéos en vous expliquant certaines choses et tout. Malheureusement, j'avais pas aussi vraiment beaucoup de qualifications, parce que là actuellement j'ai pu beaucoup travailler au niveau de mes cours en informatique et aussi de côté, qui m'ont permis voilà d'augmenter un peu mon expérience informatique, et pouvoir vous expliquer les choses sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour vous d'écouter quelqu'un qui s'y connaît un peu plus qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi, je me rappelle plus du tout. De quand est-ce que date ma dernière vidéo comment devenir un hacker. Alors, une chose importante que j'aimerais vous dire et que j'y pense depuis plusieurs jours, c'est que il est important de savoir déjà qu'il faut connaître la base, les bases, il y en a plusieurs, et que il est actuellement très difficile d'expliquer comment hacker quelque chose, parce que il est honnêtement illégal de le faire, sauf si par exemple dans l'avenir je vous montre comment créer un réseau et comment arriver à pénétrer ce réseau. Comment arriver à rentrer dedans et tout, et ça c'est légal, c'est-à-dire créer son propre serveur et puis après faire des trucs, des tests en fait sur son propre serveur. Donc ça c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses, mais il faut connaître la base. C'est comme finalement dire à une personne de faire quelque chose alors qu'il ne connaît pas la base, il va avoir énormément de mal à le faire, ou normalement honnêtement à 90% des chances il va quasiment pas faire son objectif parce qu'il ne connaît pas les bases. Hein. C'est comme si on vous demande de lire un livre et que vous ne savez pas lire. Bah, ça sera un peu difficile de lire le livre si vous ne savez pas lire. Alors, on va parler aujourd'hui de l'adresse IP, quelque chose de super intéressant. L'adresse IP, par contre, est-ce que c'est une très bonne chose que je vous présente? Donc, l'adresse IP, je vais marquer quand même, parce que sinon vous aurez un écran blanc sur votre écran, et ça sera assez dommage. Hop. Donc, l'adresse IP, je la ferai en plusieurs parties, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ouais, je sais, ça peut paraître bizarre, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'adresse IP. C'est même relié à plein de choses, quelque part, et je vais vous donner ma propre définition de ça, parce que la plupart des personnes, en fait, j'ai remarqué ça même, vu que bon, j'ai fait pas mal de vidéos depuis, et puis j'ai pu être en contact avec pas mal de personnes, que ce soit des gens qui me suivent ou des gens aussi qui font les mêmes choses que moi, qui font des vidéos, et qui m'ont vraiment défini l'adresse IP comme quelque chose qui permet de se connecter à Internet et d'être, les gens, on va dire, les plus évolués vont dire comme quoi ça va vous permettre de s'identifier. Alors actuellement, ce genre de réponse que me disent les gens, c'est vrai, voilà, hein, c'est sûr que c'est vrai, ça permet de s'identifier à Internet et tout. Bon, ça c'est vraiment une définition assez grosse. En fait, l'adresse IP va vous permettre. Alors déjà, l'adresse IP juste avant, c'est on la retrouve partout. C'est-à-dire dans. Alors moi, dans cette vidéo-là, j'aimerais bien aussi que vous écriviez, que vous mettez de côté tout ce qui va être, enfin ce que vous faisiez et tout, que vous prenez une feuille et que vous commencez à écrire, un peu comme mes vidéos précédentes en informatique, comme ça, voilà, vous mettez de côté, vous écrivez, vous essayez de comprendre certaines choses, et puis après, reste à voir si vous êtes toujours intéressé pour continuer à me suivre. Donc alors, en fait, en gros, tout appareil électronique
est composé, excusez-moi pour les fautes d'orthographe ou alors pour l'accentuation que je ne fais pas, hein, parce que sinon on va passer des années. Enfin non, je rigole, non, mais bon voilà, on n'est pas là pour une bonne prononciation et tout. Tant que vous comprenez, c'est l'essentiel. Au niveau de l'adresse IP, donc, comme je reviens, en fait, tout appareil électronique, normalement, qui permet, en fait, finalement, alors là, je viens d'y penser, parce qu'en fait, appareils électroniques ne sont pas forcément composés d'adresses IP, en fait, qui peuvent se connecter tout simplement, hop, se connecter donc à un réseau, on va mettre tout simplement comme ça. Bon, allez, on va pas mettre d'accentuation, sinon après, faut que je le fasse ailleurs. En gros, une adresse IP est composée dans chaque appareil électronique qui peuvent se connecter éventuellement à un réseau. Alors, la différence entre un réseau et Internet, parce que les gens disent Internet, c'est que tout simplement un réseau, lui, est capable de ne pas forcément accéder à Internet. Un réseau, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, connecter deux ordinateurs entre eux sans avoir besoin, on va dire, à Internet. On peut les connecter entre eux. Ah bon, après, c'est sûr que il faut, on appelle ça un câble RJ45. Je sais pas s'il faut le marquer ou pas. Bon, on va le mettre quand même. Donc ça, c'est tout simplement un câble réseau, hein, tout simplement, qui va vous permettre de connecter deux ordinateurs entre eux. Ou ce câble-là aussi, c'est un câble Ethernet, comme on l'appelle. C'est par exemple, si vous voulez avoir une meilleure connexion, bah, la possibilité, c'est de brancher ce câble-là sur votre ordinateur et de le brancher à votre box. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure connexion. Bon, je parle de tout ça parce qu'en fait, ça permet de définir un peu l'adresse IP d'une façon assez... voilà, j'essaie pas d'être super rapide, comme ça vous allez bien comprendre. Je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure, 40 minutes, parce que ça peut prendre pas mal de temps de vous expliquer tout ça. C'est pour ça que je préfère la faire en plusieurs parties, mais je prends mon temps. Ne vous inquiétez pas, on va attaquer le sujet. Donc en fait, globalement, une adresse IP, ça permet de se connecter à un réseau et on peut se connecter à Internet aussi avec. Elle permet en fait finalement de connecter l'appareil électro. Enfin, en fait, c'est l'appareil électronique qui va se connecter sur un réseau et l'adresse IP va le permettre de l'identifier. Donc ça, c'est une chose assez importante, c'est-à-dire que chaque appareil électronique qui peut se connecter à un réseau ou à Internet et tout, eh bien, sont composés d'une adresse IP qui est assez différente. Donc ici, on peut parler d'ordinateur, de par exemple sur les serveurs, le routeur, imprimante qui compose par exemple une adresse IP, une caméra IP, ça existe, et c'est pas mal ces trucs aussi. Smartphone par exemple qui nécessite tout simplement une adresse IP pour pouvoir se connecter sur un réseau. Ça demande aussi, pas forcément que les smartphones, par exemple les tablettes. Moi j'ai un iPod, donc par exemple tout appareil en fait qui peut se connecter sur Internet ou en Wi-Fi va vous demander tout simplement, enfin aura on va dire la capacité d'avoir une adresse IP, ce qui n'est pas forcément super compliqué. Une adresse IP en gros est composée de 4 octets. Alors attendez, on va tout simplement descendre. Je vais vous donner une adresse IP de base. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai mon cours à côté, ce qui me permet vraiment de vous dire les choses, on va dire, assez importantes, et de pouvoir, voilà, et de pouvoir vraiment vous, on va dire, de le faire de la meilleure façon possible. Donc 192.168.0.1. Donc ça, c'est une adresse IP. Je pense que vous devez le savoir, mais il y a des choses que vous ne devez pas savoir, c'est à quoi servent ces chiffres-là et qu'est-ce qu'ils vont représenter finalement. Souvent, on peut le voir par exemple dans la CMD, dans la base de commande de votre ordinateur. Alors, moi, je suis pas sur Linux tout simplement parce que pour travailler tout sur YouTube, je préfère travailler sur Windows. Mais par exemple, il est tout à fait possible, hop, dans le menu démarrer, de lancer sa CMD. Bon, moi, en fait, le souci, c'est que j'ai pas très envie de vous montrer mon adresse IP pour certaines raisons, donc je vais pas trop utiliser ma CMD. Alors. Donc, on a actuellement, on va dire, 4 séries de chiffres suivis par des points, dont 192.168.0.1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une chose très importante, c'est qu'à la base, ces chiffres-là, en fait, sont l'intermédiaire de d'autres chiffres. C'est-à-dire qu'à la base, le langage ordinateur pur, on appelle ça le binaire. Le binaire que vous devez sans doute voir, par exemple, dans les reportages télévision sur le hacking ou sur les trucs comme ça. Et en gros, c'est ça. C'est des trucs comme ça, en fait. C'est des 0, c'est des 1, en fait, binaire, tout simplement, hein, qui veut dire bi, bah, en gros, c'est 2. Et on retrouve que deux chiffres, le 1 ou le 0. Et globalement, en gros, même là, en ce moment, là, mon ordinateur est en train de fonctionner grâce à de l'informatique, mais surtout
Grâce à du binaire. Il n'y a que du binaire, mais nous on ne le voit pas parce que nous on ne peut pas vraiment l'interpréter. C'est l'ordinateur qui va interpréter ce langage et qui va tout simplement nous le rediffuser sous un autre langage qui est celui juste au-dessus, donc un autre langage qu'on interprète donc plus facilement, 192.168.0.1. Par exemple, l'adresse IP que je vous ai mis ici, eh bien tout simplement, ça représente donc un langage binaire. Le binaire et tout ce qui va être hexadécimal et tout, on va le voir dans une vidéo. Bon, c'est quelque chose de basique, on n'en a pas vraiment besoin dans l'avenir, mais c'est des choses quand même qu'il faut savoir parce que ça permet en fait de faire fonctionner tout appareil électronique. En gros, c'est je laisse passer le courant, je laisse pas passer le courant, puis voilà, ça permet vraiment de faire fonctionner tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, à la base, comment je peux vous expliquer tout ça? Parce que le binaire, ça sera dans une autre vidéo, je peux pas vraiment vous expliquer là, sinon on en a vraiment pour une demi-heure. Et vous allez lâcher au bout d'un moment. Je sais pas du tout. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais taper tout simplement le binaire qu'on retrouve au-dessus. Je sais pas du tout si je vais le faire. Parce qu'il faut expliquer après. Bon, alors ce que je vais faire, c'est on va le mettre. Je vais mettre le binaire qui est représenté. Mais je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo-là parce que on va l'expliquer prochainement. Sinon, ça va être vachement plus compliqué et tout. Et honnêtement, c'est pas le but ici. Vraiment, c'est de savoir à quoi sert vraiment une adresse IP et que représentent en fait actuellement tous ces chiffres-là. Je suis bête en fait, c'est 8 chiffres donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est bon, 3, 4. Hop. Attendez. Je vais juste compter parce que c'est un peu galère sur l'ordi. Voilà. Yop. Et on termine donc avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 1. Voilà. Donc en gros, l'adresse IP que je vous ai représentée ici. Hop. Et bien en fait, dans l'état initial, vraiment dans l'état voilà, pur, dans l'état nature, et bien l'ordinateur va l'interpréter comme ceci. Alors, tout simplement, je vais vous l'expliquer prochainement, mais juste pour vous donner une petite idée, c'est tout simplement, par exemple, ici, le dernier chiffre, le chiffre 1, eh bien, dans l'état binaire, soit dans l'état, en fait, 0, 1, ça veut tout simplement vous dire 7, 0 et 1, 1. Le 0, tout simplement, veut dire 0, donc on met 8, 0. Le 168 veut tout simplement dire, en fait, c'est un état de calcul. C'est-à-dire que on verra ça d'ici prochainement, mais il va falloir faire des calculs pour trouver ce chiffre-là. Donc il veut exprimer 168 et celui-ci 192. Donc on va rajouter les deux plus gros chiffres en fait, puisqu'ils sont au début. Et dans le binaire, c'est plus on va loin, comme ça dans ce sens-là, et plus les chiffres vont augmenter. Pourtant, c'est des zéros. Mais en fait, ce zéro-là veut signifie en fait tout simplement un chiffre. Qu'on expose en fait, on verra ça après, mais voilà. En tout cas, vous savez ça déjà que à la base, nous on le voit comme ça, mais à la base, c'est comme ça. Donc, ça, c'est une chose importante. Alors, deuxième chose aussi, c'est que on a cette accumulation là de quatre séries de chiffres, mais principalement, les gens ne voient pas, et même d'ailleurs, je l'ai dit au début, j'ai dit octet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire octet? C'est tout simplement une adresse IP est formée de 4 octets. C'est-à-dire est formée en fait finalement de 4 séries de 8 chiffres de 0, 1. Comme ceci en fait. Donc là, il y en a 8 normalement, si j'ai pas foiré. Donc il y a 8 chiffres là, 8 chiffres là, 8 chiffres là, 8 chiffres là. Soit ici, en gros, ça représente 4 octets. Puisque ces chiffres en fait finalement désignent ceux-là. Donc forcément, on retrouve 8 chiffres ici dans chaque situation. Et donc ici, on n'en retrouve pas 8 de chiffres, je suis d'accord avec vous, mais en fait ça exprime ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en gros 8 bits. Alors, hop, je vais vous le marquer. Donc un octet en fait finalement résume à 8 bits. Je vais vous expliquer après, juste après. Et que un bit, enfin non, comment je peux mettre... Oui, en fait c'est l'inverse en gros, que 8 bits est égal à un octet. Hop, merde, en fait j'aurais dû... Excusez-moi, j'aurais dû tout simplement mettre le signe égal ici. Voilà. Ou alors, les gens appellent aussi octet, parce que octet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le langage un peu européen, mais les Américains, eux, ont souvent le vocabulaire, voilà, ils disent souvent bytes. C'est un peu ridicule, mais...
Voilà, donc souvent ils disent eux, ils disent bytes. Voilà, donc des bits. Hop, je l'enlève. Donc là, on va juste revoir rapidement. Peut-être que je me répète et tout, mais j'ai vraiment envie que vous compreniez parce que par la suite, après, ça sera beaucoup plus simple pour vous. D'ailleurs, à la base, tout ça, en fait, je le fais de tête. Alors, même si j'ai mon papier à côté, c'est vraiment, je le fais. Voilà, je me suis dit, allez, on se lance. Je connais, on va dire certaines choses et tout. Normalement, je devrais y arriver tranquillement sans avoir à réviser quelque chose, même si j'ai ma feuille à côté de moi. Donc alors, comme je vous l'ai dit, en fait, tout simplement un octet ou alors un byte, sous la prononciation américaine un peu, hein, eh bien, on retrouve tout simplement 8 chiffres, donc de 0, 0, 1. Ça dépend en fait, et on verra ça prochainement au niveau des calculs. Je vais continuer par contre. Alors attendez, donc au niveau, parce que je vous ai dit un octet et bytes, il y a une différence quand même avec bits, parce qu'en fait bits veut dire en fait tout simplement tout ce qui va composer en fait dans un octet ou dans un byte. Il faut pas se tromper, c'est-à-dire que les bytes et les bits c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire les bits en fait c'est l'unité et le byte c'est comme l'octet, c'est tout simplement le groupe des 8 bits. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, remettez la vidéo, enfin répétez ce que je suis en train de vous dire, et comme ça vous allez comprendre. Excusez-moi, en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans hop, dans ma chambre, et donc je me suis dit, est-ce que je vais lui parler ou pas? Et donc finalement, donc elle est sortie. Maintenant on va parler de choses un peu plus sérieuses, parce qu'on a finalement alors cette adresse IP que je vais tout simplement reprendre et que je vais coller ici. Donc qui est 192.168.0.1 à laquelle voilà, il y a une catégorie d'adresse IP. C'est-à-dire qu'on a pu voir que globalement, ça c'était du binaire à la base, et que ce binaire-là recrutait dans chaque point, dans chaque catégorie de points, donc on en retrouve 4, et bien en fait 8 chiffres binaires, soit du 8 chiffres 0,1. Donc voilà, donc ça c'est une chose importante. Alors. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez deux catégories d'adresses IP. Enfin, non, il y a plein de catégories d'adresses IP plutôt. J'allais en dire trois, mais non. C'est-à-dire que globalement, vous avez cette adresse IP-là, qui est l'une des plus connues. Hein. Souvent, on vend en 190, blablabla. Et en fait, vous allez avoir plusieurs parties, dont la première partie qu'on appelle le Net ID et la deuxième partie qui s'appelle le Host ID. La première partie, tout simplement, le Net ID, se situe donc en début de l'adresse IP. Et le Host ID, tout simplement, signifie la fin de l'adresse IP. Je vous dis ça, en fait, c'est au niveau du vocabulaire, il est important de savoir, en fait, que signifie une adresse IP et la décomposition d'une adresse IP. Puis on en terminera là, parce qu'après, on va voir d'autres choses au niveau de l'adresse IP. Et puis après, on va voir, en fait, le binaire, des choses très très simples. Et puis après, j'aimerais bien me lancer honnêtement dans la programmation. Donc après, ça reste, c'est à vous de voir, hein. N'oubliez pas de voter. Comme ça, moi, je vais voir à peu près ce que vous en pensez, tout ça. Hein, je prends mon temps, mais je pense que ça, vous aimez bien souvent les vidéos un peu comme ça, un peu posées. Et puis comme ça, je parle tranquillement, sans me dépêcher, sans être in the wash, comme on dit les Anglais. Alors, on va commencer. Donc ici, on est vraiment dans une classe normalement assez basique. Où je vais commencer donc avec le Net ID. Je vais tout simplement le marquer si vous voulez refaire des recherches sur Internet, c'est pas de souci. Et avec le Host ID par exemple. Alors, le Net ID par exemple, ça représente. Je vais vous dire. Alors, on va attaquer en fait une autre chose. Hop, j'ouvre juste ma page comme ça va me permettre vraiment d'être vraiment efficace. Attendez. Alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de classes. Il y en a beaucoup plus aussi. Dans l'avenir, on verra peut-être ça. Mais le plus important, c'est vraiment de voir ces types de classes-là. On appelle la classe A. Et après, je vais revenir en fait sur ça. Hein. C'est juste pour vous expliquer, parce que je me suis dit, sinon vous n'allez pas comprendre. On a la classe A, la classe B et la classe C. Alors, la première classe, la classe A, qui est située entre 0.0.0.0 à donc 127.255.255. Ah merde, ça va le décaler. Ok, super. Alors, ce que je vais faire comme ça sera plus propre.
Voilà, donc 0.0.0 à 127.255.255.255.255. Je vais vous expliquer juste après pourquoi tous les chiffres. Non, là comme ça, c'est très bon comme ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'état binaire, c'est-à-dire l'état que je vous ai parlé en 1000, on verra par la suite que ça peut, à un montant, bien sûr, on ne peut pas aller à l'infini avec 8 chiffres, eh bien, le montant maximal est le chiffre 255. C'est le chiffre qu'on retrouve actuellement ici. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe A, c'est-à-dire en fait, ça dépendra en fait de ce que vous voulez faire dans l'avenir. Si vous voulez créer une adresse IP ou plutôt un réseau, qui permettra d'accueillir un certain nombre d'adresses IP. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans une entreprise ou n'importe quelle société, ils ont la possibilité de pouvoir créer un réseau avec certains appareils qu'on verra aussi par la suite. Et ce réseau-là, qui sera créé, pourra recueillir un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, il y aura un certain nombre d'adresses IP qui pourront rentrer. Et s'il y a trop d'adresses IP dedans, bah, c'est pas possible même. D'ailleurs, c'est même pas possible qu'il peut avoir trop d'adresses IP ou alors le réseau, il va avoir des soucis. Et puis après, il peut avoir un shutdown, en fait. Le réseau, il peut fermer parce qu'il y a eu trop d'adresses IP. D'ailleurs, c'est aussi certaines personnes qui utilisent certains logiciels hein, suite à leur propre programmation. Et ils vont attaquer donc certains sites internet directement sur leur réseau en leur envoyant plein, en gros, quelque part, c'est des adresses IP en fait, comme si des gens se connectaient, pour que leur réseau, il y a trop de monde, et pour comme ça, après, tout d'un coup, ça va déstabiliser un peu tout ça, et ils seront obligés, les gens, à faire un shutdown, en gros, à fermer le réseau. C'est ce qui arrive un peu chez Sony ou des trucs comme ça, en gros, c'est vraiment envoyer plein de choses à la fois, et bah, finalement, le réseau, bah, lui, ne peut pas recueillir autant de choses à la fois. Ces réseaux-là, c'est pas inutile, c'est-à-dire ces classes-là d'adresses IP, c'est pas inutile parce que à la fois, il va vous permettre tout simplement de pouvoir se connecter, enfin, il va vous permettre de pouvoir en fait finalement d'avoir la possibilité soit d'accueillir un petit nombre de personnes, soit d'accueillir un grand nombre de personnes sur votre réseau. Il y en a qui vont me dire à quoi ça sert. Bah, tout simplement, c'est pas compliqué. C'est par exemple, quand vous êtes chez vous et tout, vous avez votre box et votre box est programmée pour accueillir pas un grand nombre de personnes. Parce que chez vous, vous serez pas plus d'une dizaine, vingtaine de personnes qui sera connectée à votre box. Et même, on peut se connecter à bien plus de ça sur une box. Alors que dans une entreprise, on peut être d'ailleurs plusieurs centaines de salariés. Et là, va falloir vraiment acheter un. Ils vont vraiment prendre des trucs vachement plus intéressants, un routeur, des trucs comme ça, qui vont vous permettre en fait d'accéder à bah, est-ce que beaucoup plus de personnes, voire des milliers de personnes, qui puissent se connecter au même réseau. Ça permet vraiment d'avoir un outil de travail vraiment efficace, comme ça tout le monde est connecté au même réseau et pourra faire leur propre partage de travail, de documents officiels ou de trucs comme ça. C'est super intéressant que d'avoir déjà à passer sur Internet, parce que là, ils seront pas obligés de passer par Internet, ou alors carrément de pouvoir accéder à tous ces fichiers-là sans avoir à accéder par Internet. Donc nous avons la classe A, la classe B, la classe C. Je vais tout simplement vous donner ces classes-là. Et puis après, je vais vous expliquer. De toute façon, je vous ai un peu expliqué à quoi sert tout ça. Oups. Donc 128 points. Oup, 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 oup. 0.0. On va pas mettre d'accent. 104 ans. Bon, c'est relativement simple hein, parce que c'est comme on puisse le remarquer en fait, on va enchaîner des 255 par exemple ici à la suite. Par contre, ça rentre pas dans mon cadre, mais bon, voilà. Vous savez qu'il y a 3 255 qui suivent, suivi d'un point, et que là on va redescendre et qu'on va s'enchaîner à 192. .0. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. C'est vraiment une vidéo, on va dire, très basique. Mais il faut apprendre quand même certaines bases. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire. Parce que c'est vrai que je sais même pas combien de temps la vidéo elle dure. Elle va durer au moins une demi-heure en fait, finalement, je pense. Mais bon, en plus, j'aurai même pas le temps de tout vous expliquer. Parce que j'aurais bien aimé expliquer masse de sous-réseau et tout. Mais je pense que c'est important de, par contre, de ça, de le faire en plusieurs parties. Même si j'aime pas trop faire ce genre de série en plusieurs parties parce que les gens ils préfèrent une partie mais c'est tellement long et à expliquer que voilà. Et puis surtout j'aurais peut-être dû commencer par le binaire.
Alors là, il y en a qui vont me dire, mais Christo, qu'est-ce que tu nous montres? On comprend actuellement rien, il y a plein de chiffres, des trucs comme ça. En fait, c'est que comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez plusieurs classes, et ces classes-là seront appropriées au type de réseau que vous allez vous connecter. Alors, par exemple, ici, si on regarde bien la classe que je vous ai montrée tout à l'heure, la toute première pas ma classe, oui, si c'est une classe, mais ma toute première adresse IP que je vous ai montrée, qui est du 192.168.0.1, va correspondre tout simplement à la classe C. D'ailleurs, la classe C qui regroupe normalement la plupart des personnes. Normalement, si vous regardez votre adresse IP, elle sera en 192. Je vous expliquerai aussi dans l'avenir pourquoi. J'ai expliqué un peu ici au niveau de la box et tout, ce qui est, on va dire, assez intéressant parce que ça veut dire que vous êtes dans une classe en fait qu'on appelle la classe C, qui est une classe où on retrouve tout le monde. Après, par exemple, si vous voulez vous connecter à un réseau où il y a beaucoup plus de monde, bah, va falloir monter, par exemple, la classe B ou voir la classe A qui va accueillir un certain nombre de personnes. Qui est assez gigantesque et qu'on verra aussi par la suite au niveau des chiffres. Je vais pas vous les donner là, sinon ce sera peut-être un peu trop de choses que je vous donnerai. Moi, ce que je veux juste terminer au niveau de cette vidéo-là, c'est pas forcément de faire un récapitulatif, si vous pouvez la revisionner, c'est de vous expliquer un peu tout ce fonctionnement. C'est-à-dire que votre adresse IP en fait finalement a des classes. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre classe d'adresse IP qui est ici la classe C, eh bien votre adresse IP, vous pouvez à tout moment, ça peut même se faire de manière automatique, changer. Par exemple, si je veux passer à une classe A, à une classe B, à une classe C. Mais bon, il n'y a pas de vrai réel, y a pas de réelle raison à faire ça parce que ça sert pas à grand chose. Parce que la plupart du temps, on se connecte à quelque chose bah, qui va accepter, on va dire, un minimum d'adresse IP. C'est important de savoir ça, même si j'en reparlerai pas forcément, parce que bah voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire que chaque chiffre, en gros, de gros chiffres qui sont séparés par les points, est composé d'octets, soit de 8 bits, soit de 8 chiffres que je vous ai montrés, donc en binaire, hop, en 0, 1, 0, 0, 0 et tout. On verra par la suite que veut déterminer exactement ça, même si ça détermine ça, on le sait, mais comment trouver, en gros, ça par ça c'est important. Bon, c'est la base, mais comme ça vous permettra, par exemple, si on vous donne un jour un truc comme ça, vous pourrez déterminer tout de suite une chose comme ça. Bon, il y a peut-être des convertisseurs sur internet, je pense, qui peuvent vraiment vous faciliter la tâche, mais le fait d'arriver à faire ces calculs-là qui sont vachement simples, c'est un petit bonus. Voilà, ça permet de savoir certaines choses. Que toutes les adresses IP ont leur classe, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types d'adresses IP, de classe A. La classe A, par exemple, vous propose donc tout ce qui va être une adresse IP allant de 0.0.0.0 à 127.255.255 représentera donc la classe A. Tout ce qui va être, par exemple, de la classe B, bah, ça va représenter de tous les chiffres allant de 0.128.0.0.0 à donc 191.255.255.255. Le chiffre 255, c'est pas pour rien. C'est ce que je vous ai dit à propos des chiffres 1 et 0. En fait, c'est le nombre maximal qu'il peut atteindre, enfin avec ces 8 chiffres-là, c'est le nombre maximal qu'on pourra atteindre et je vous montrerai par la suite au niveau des calculs. Voilà. Et la classe C, par exemple, c'est allant de 192.0.0.0 à 223.255.255.255, blablabla. La classe ici qu'on a ici, que je vous ai montré depuis le début, c'est 192.168.0.1. Et en fait, cette classe-là, bah, tout simplement, vu qu'on part sur du 192, eh bien, actuellement, bah, ça va être cette classe-là. Ça va être la classe C. On verra par la suite que déterminer la classe C, la classe B et la classe A. Plus précisément, moi, je vous ai juste donné, on va dire, vraiment un résumé en vous disant bah, que, par exemple, souvent on est en classe C parce qu'on se connecte à une box et la box ne vous demande pas forcément d'avoir 1000 adresses IP qui vont se connecter, enfin 1000 personnes qui vont se connecter sur une box. Non, ça facilite la tâche aussi, par exemple, aux opérateurs, à plein de choses, hein. C'est une histoire de business aussi, quelque part, qui se retrouve là-dedans. Maintenant, on va parler au niveau du Net ID et du Host ID pour terminer la vidéo. Hop, je reprends juste ma feuille, comme ça je peux mieux vous expliquer. Donc, le Net ID. Qui se retrouve normalement au début, ouais, c'est ça. Et tout simplement, on appelle ça un identificateur de réseau. Et on a le host ID, qui est ici, qui est tout simplement un identificateur d'hôte. Alors, le net ID, en gros, se retrouvera toujours au début de votre chiffre. Alors, attendez,
de votre adresse IP plutôt. Je vais juste copier, coller ici, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Non, pourquoi tu me fais ça? Donc alors, on a donc cette adresse IP là, comme je vous l'ai dit, hein, on va pas le répéter. Le NetID sera ceci. Et le host ID sera tout simplement les following. Donc ça sera ça. Alors, je vais le marquer quand même parce que c'est important. Le NetID, c'est tout simplement l'identificateur réseau. Identificateur réseau qu'on va mettre là comme ça. NetID, ok. Là, je me suis dit là, c'était bizarre. Et le host ID, qui est tout simplement identificateur hôte. Oui, bon, bah, moi je connais pas honnêtement les termes exacts, mais bon, je sais à quoi ça ressemble. Alors, en gros, dans une adresse IP, c'est aussi de composer de deux choses qui sont ces deux choses qui sont présentes ici sur l'écran que j'ai bien séparées. On va juste monter, ça sera un peu plus agréable. Voilà. De ces deux choses-là. Alors ici, le NetID, comme je vous l'ai dit, en fait, ça sera le début, soit 192. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Et le host ID, ça sera ces trois chiffres-là. À la suivie. Alors, ça permet d'identifier dans quel type de classe votre adresse IP est exactement. En se disant que vous êtes dans l'adresse IP, par exemple, vous avez cette adresse IP-là, 192.168.0.1, on s'est dit tout à l'heure, et on l'a vu tout à l'heure, que vous êtes dans la classe C, parce que vous êtes entre ces chiffres-là. On est d'accord. La classe C peut tout simplement déterminer que le premier chiffre de votre adresse IP sera le NetID, soit l'identificateur réseau. Vous êtes dans un réseau 192. Et que le reste, ça sera en gros l'IP de votre propre ordinateur. Soit on l'appelle le host ID. Le host ID, c'est tout simplement vous, donc monsieur 168.0.1, qui va héberger dans le réseau, dans un réseau, enfin en tout cas, de catégorie de classe C, soit 192. Voilà. Bon. C'est un petit truc aussi, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, mais à quoi ça sert, pourquoi tu fais ça et tout. Bah, je pense que c'est important quand même de savoir certaines choses au niveau de ces classes-là. On a vachement, même je pense on a fait quasiment les trois quarts de l'adresse IP. Et je parle bien de l'adresse IP et non du binaire, parce que c'est sûr, je ne vous ai pas expliqué à quoi servent ces chiffres-là et comment on calcule ces chiffres-là pour atteindre, par exemple, ce chiffre-là, avec ce chiffre-là. Mais j'en parlerai prochainement. On va d'abord, je pense, terminer l'adresse IP et après, on va tout de suite attaquer avec finalement comment, bah, on va dire, convertir du binaire en état décimal. Mais surtout, enfin, en état décimal plutôt en chiffres, comme on peut le lire ici. Mais surtout, on va faire plein de belles choses, je pense. Ça peut être vachement intéressant. Et je sais pas du tout si ma façon de vous expliquer est la bonne. Donc dites-le-moi dans la barre des commentaires si vous aimez ma façon de vous expliquer les choses. Ou s'il y a du changement à faire, si vous préférez un diapo ou des trucs comme ça beaucoup plus simple. Moi j'essaie vraiment de. Voilà, c'est pas facile. J'essaie vraiment de vous expliquer, on va dire, de la meilleure façon possible en vous écrivant les choses et en vous le dis, répétant pas mal de fois. Donc on va terminer dans la prochaine vidéo l'adresse IP. En vous expliquant, en faisant un récapitulatif de tout ça, mais très rapidement, et puis on va continuer un peu pour un peu plus pousser les choses. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement voir en fait finalement bah, à quoi ça sert ce genre de choses, et on va continuer. Et pourquoi pas dans l'avenir créer un réseau et puis savoir comment par exemple arriver à rentrer dedans, faire des choses dedans, voilà. Mais je peux pas vous montrer par exemple comment pirater par exemple Facebook ou des trucs comme ça, tout simplement parce que en plus maintenant j'ai un contrat avec un certain network. Et en fait, il m'offre pas la possibilité de, enfin, j'ai pas la possibilité de vous montrer ce genre de choses parce que moi après, je peux avoir de sacrés gros soucis, pas forcément qu'avec mon network, ça peut être encore plus haut au niveau bah, de la justice. Et c'est pas mon intérêt de partir, de partir je ne sais où. Voilà, merci beaucoup les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça m'a fait super plaisir. Surtout ne me suivez sur ma page personnelle et n'hésitez pas. Ici à voilà poster en fait finalement qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Il y a déjà 308 votes. Comme ça moi je peux vraiment avoir bah je peux prendre une décision de qu'est-ce que je devrais continuer ou pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à la prochaine. Peace out.
vraiment de voir ces types de classes-là. On appelle la classe A. Et après, je vais revenir en fait sur ça. Hein. C'est juste pour vous expliquer, parce que je me suis dit, sinon vous n'allez pas comprendre. On a la classe A, la classe B et la classe C. Alors, la première classe, la classe A, qui est située entre 0.0.0.0 à donc 127, 127 et 255, 255. Ah merde, ça va le décaler. Ok, super. Alors, ce que je vais faire comme ça sera plus propre. Voilà, donc 0.0.0 à 127.255.255.255.255. Je vais vous expliquer juste après pourquoi tous les chiffres. Non, là comme ça, c'est très bon comme ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'état binaire, c'est-à-dire l'état que je vous ai parlé en 1000, on verra par la suite que ça peut, à un montant, bien sûr, on ne peut pas aller à l'infini avec 8 chiffres, eh bien, le montant maximal est le chiffre 255. C'est le chiffre qu'on retrouve actuellement ici. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe A, c'est-à-dire en fait, ça dépendra en fait de ce que vous voulez faire dans l'avenir. Si vous voulez créer une adresse IP ou plutôt un réseau, qui permettra d'accueillir un certain nombre d'adresses IP. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans une entreprise ou n'importe quelle société, ils ont la possibilité de pouvoir créer un réseau avec certains appareils qu'on verra aussi par la suite. Et ce réseau-là, qui sera créé, pourra recueillir un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, il y aura un certain nombre d'adresses IP qui pourront rentrer. S'il y a trop d'adresses IP dedans, bah, c'est pas possible même. D'ailleurs, c'est même pas possible qu'il peut avoir trop d'adresses IP ou alors le réseau, il va avoir des soucis et puis après, il peut avoir un shutdown, en fait. Le réseau, il peut fermer parce qu'il y a eu trop d'adresses IP. D'ailleurs, c'est aussi certaines personnes qui utilisent certains logiciels hein, suite à leur propre programmation. Et ils vont attaquer donc certains sites internet directement sur leur réseau en leur envoyant plein, plein, plein. En gros, quelque part, c'est des adresses IP en fait, comme si des gens se connectaient pour que leur réseau il soit, il y a trop de monde et pour comme ça, après, tout d'un coup, ça va déstabiliser un peu tout ça et ils seront obligés, les gens, à faire un shutdown, en gros, à fermer le réseau. C'est ce qui arrive un peu chez Sony ou des trucs comme ça. En gros, c'est vraiment envoyer plein, plein de choses à la fois et bah, finalement, le réseau, bah, lui, ne peut pas recueillir autant de choses à la fois. Ces réseaux-là, c'est pas inutile, c'est-à-dire ces classes-là d'adresses IP, c'est pas inutile parce que à la fois, il va vous permettre tout simplement de pouvoir se connecter, enfin, il va vous permettre de pouvoir en fait finalement d'avoir la possibilité soit d'accueillir un petit nombre de personnes, soit d'accueillir un grand nombre de personnes sur votre réseau. Il y en a qui vont me dire à quoi ça sert, bah, tout simplement. Alors actuellement, ce genre de réponse que me disent les gens, c'est vrai, voilà, hein, c'est sûr que c'est vrai, ça permet de s'identifier à Internet et tout, bon, ça c'est vraiment une définition assez grosse. En fait, l'adresse IP va vous permettre. Alors déjà, l'adresse IP, juste avant, on la retrouve partout. C'est-à-dire alors moi, dans cette vidéo-là, j'aimerais bien aussi que vous écriviez, que vous mettez de côté tout ce qui va être, enfin ce que vous faisiez et tout, que vous prenez une feuille et que vous commencez à écrire. Un peu comme mes vidéos précédentes en informatique, comme ça, voilà, vous mettez de côté, vous écrivez, vous essayez de comprendre certaines choses, et puis après, reste à voir si vous êtes toujours intéressé pour continuer à me suivre. Donc alors, en fait, en gros, tout appareil électronique est composé, alors excusez-moi pour les fautes d'orthographe ou alors pour l'accentuation que je ne fais pas hein, parce que sinon on va passer des années. Enfin non, je rigole, non mais bon voilà, on n'est pas là pour une bonne prononciation et tout. Tant que vous comprenez, c'est l'essentiel. Au niveau de l'adresse IP, donc comme je reviens, en fait, tout appareil électronique normalement qui permet en fait finalement, alors là je viens d'y penser parce qu'en fait appareils électroniques ne sont pas forcément composés d'adresses IP en fait qui peuvent se connecter tout simplement hop, se connecter donc à un réseau. On va mettre tout simplement comme ça. Bon, allez, on va pas mettre d'accentuation sinon après faut que je le fasse ailleurs. En gros, une adresse IP est composée dans chaque appareil électronique qui peuvent se connecter éventuellement à un réseau. Alors,
La différence entre un réseau et Internet, parce que les gens disent Internet, c'est que tout simplement un réseau, lui, est capable de ne pas forcément accéder à Internet. Un réseau, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, connecter deux ordinateurs entre eux sans avoir besoin, on va dire, à Internet. On peut les connecter entre eux. Ah bon, après, c'est sûr que il faut, on appelle ça un câble RJ45. Je sais pas s'il faut le marquer ou pas. Bon, on va le mettre quand même. Donc ça, c'est tout simplement un câble réseau, hein, tout simplement qui va vous permettre de connecter deux ordinateurs entre eux. Ou ce câble-là aussi, c'est un câble Ethernet, comme on l'appelle. C'est par exemple si vous voulez avoir une meilleure connexion, bah, la possibilité c'est de brancher ce câble-là sur votre ordinateur et de le brancher à votre box. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure connexion. Bon, je parle de tout ça parce qu'en fait ça permet de définir un peu l'adresse IP d'une façon assez... voilà, j'essaie pas d'être super rapide, comme ça vous allez bien comprendre. Je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure, 40 minutes parce que ça peut prendre pas mal de temps de vous expliquer tout ça. C'est pour ça que je préfère la faire en plusieurs parties, mais je prends mon temps. Ne vous inquiétez pas, on va attaquer le sujet. Donc en fait, globalement, une adresse IP, ça permet de se connecter à un réseau et on peut se connecter à Internet aussi avec. Elle permet en fait finalement de connecter l'appareil électro. Enfin, en fait, c'est l'appareil électronique qui va se connecter sur un réseau et l'adresse IP va le permettre de l'identifier. Donc ça, c'est une chose assez importante, c'est-à-dire que chaque appareil électronique. What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque je continue ma série. Alors, comment devenir un hacker, dont je pourrais aussi changer le nom. On verra par la suite hein, de ce que vous en pensez tout ça. Aussi, d'une chose très importante, pourquoi je continue ma série comment devenir un hacker? Parce qu'en fait, je mettrai le lien dans la description. Eh bien, je vous ai proposé tout simplement un petit, voilà, pour faire des petites statistiques. Hein, je vous posais la question, vous préférez quel type de vidéo? Il y avait mes types de vidéos différentes et quand on regarde par exemple les résultats tout simplement on peut remarquer que comment devenir un hacker était à 37% soit avec 111 votes comparé à la deuxième place par exemple Breaking News à la 33% avec 101 votes et puis après ça diminue vachement à 20% voire 10% des votes. Donc franchement votez, alors je sais qu'essentiellement dans cette vidéo là les gens seront plus pour comment devenir un hacker, mais voilà, si vous êtes intéressé par une autre série n'hésitez pas hein, parce que d'ailleurs c'est vachement bien fait et en fait, je ferai en fonction de ce que vous désirez, tout simplement. Ce qui est plutôt, on va dire, assez agréable pour vous, parce que voilà, c'est une liberté de, bah, d'expression, de vote, hein, qui va vous permettre, bah, à votre youtubeur, donc moi, de faire à peu près ce qui vous intéresse le plus. Alors, on va actuellement, donc je vais ouvrir tout simplement, qui est déjà ouvert d'ailleurs, un bloc-notes. Et on va parler aujourd'hui de l'adresse IP. De comment ça fonctionne et tout. J'ai fait pas mal de vidéos en vous expliquant certaines choses et tout. Malheureusement, j'avais pas aussi vraiment beaucoup de qualifications parce que là actuellement j'ai pu beaucoup travailler au niveau de mes cours en informatique et aussi de côté qui m'ont permis voilà d'augmenter un peu mon expérience informatique et pouvoir vous expliquer les choses sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour vous d'écouter quelqu'un qui s'y connaît un peu plus qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi, je me rappelle plus du tout. De quand est-ce que date ma dernière vidéo, comment devenir un hacker. Alors, une chose importante que j'aimerais vous dire et que j'y pense depuis plusieurs jours, c'est que il est important de savoir déjà qu'il faut connaître la base, les bases, il y en a plusieurs, et que il est actuellement très difficile d'expliquer comment hacker quelque chose parce que il est honnêtement illégal de le faire. Sauf si par exemple dans l'avenir je vous montre comment créer un réseau et comment arriver à pénétrer ce réseau. Comment arriver à rentrer dedans et tout, et ça c'est légal, c'est-à-dire créer son propre serveur, et puis après faire des trucs, des tests en fait sur son propre serveur. Donc ça c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses, mais il faut connaître 8 chiffres binaires, soit du 8 chiffres 0 1. Donc voilà, donc ça c'est une chose importante. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez deux catégories d'adresses IP, enfin non, il y a plein de catégories d'adresses IP plutôt, j'allais en dire 3 mais non. C'est-à-dire que globalement, vous avez cette adresse IP là qui est l'une des plus connues, hein. Souvent on vend en 190 points, blablabla.
Et en fait, vous allez avoir plusieurs parties, dont la première partie qu'on appelle le Net ID et la deuxième partie qui s'appelle le Host ID. La première partie, tout simplement, le Net ID, se situe donc en début de l'adresse IP. Et le Host ID, tout simplement, signifie la fin de l'adresse IP. Je vous dis ça, en fait, c'est au niveau du vocabulaire. Il est important de savoir, en fait, que signifie une adresse IP et la décomposition d'une adresse IP. Puis on en terminera là, parce qu'après, on va voir d'autres choses au niveau de l'adresse IP. Et puis après, on va voir, en fait, le binaire, des choses très, très simples. Et puis après, j'aimerais bien me lancer honnêtement dans la programmation. Donc après, ça reste. C'est à vous de voir, hein. N'oubliez pas de voter. Comme ça, moi, je vais voir à peu près ce que vous en pensez, tout ça. Hein, je prends mon temps, mais je pense que ça. Vous aimez bien souvent les vidéos un peu comme ça, un peu posées. Et puis, comme ça, je parle tranquillement, sans me dépêcher, sans être in the wash, comme on dit les Anglais. Alors, on va commencer. Donc, ici, on est vraiment dans une classe normalement assez basique. Où je vais commencer donc avec le Net ID. Je vais tout simplement le marquer si vous voulez refaire des recherches sur Internet, c'est pas de souci. Et avec le Host ID par exemple. Alors, le Net ID par exemple, ça représente. Alors, je vais vous dire. Alors, on va attaquer en fait une autre chose. Hop, j'ouvre juste ma page comme ça va me permettre vraiment d'être vraiment efficace. Attendez. Alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de classes. Il y en a beaucoup plus aussi. Dans l'avenir, on verra peut-être ça. Mais le plus important, c'est vraiment de voir ces types de classes-là. On appelle la classe A. Et après, je vais revenir en fait sur ça. Hein. C'est juste pour vous expliquer, parce que je me suis dit, sinon vous n'allez pas comprendre. On a la classe A, la classe B et la classe C. Alors, la première classe, la classe A, qui est située entre 0.0.0.0 à donc 127, 127.255.255. Ah merde, ça va le décaler. Ok, super. Alors, ce que je vais faire comme ça sera plus propre. Voilà, donc 0.0.0 à 127.255.255.255.255. Je vais vous expliquer. Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir se connecter. Enfin, il va vous permettre de pouvoir en fait finalement d'avoir la possibilité soit d'accueillir un petit nombre de personnes, soit d'accueillir un grand nombre de personnes sur votre réseau. Il y en a qui vont me dire à quoi ça sert. Bah tout simplement, c'est pas compliqué. C'est par exemple quand vous êtes chez vous et tout, vous avez votre box et votre box est programmée pour accueillir pas un grand nombre de personnes parce que chez vous, vous serez pas plus d'une dizaine, vingtaine de personnes qui sera connectée à votre box et même on peut se connecter à bien plus de ça sur une box. Alors que dans une entreprise, on peut être d'ailleurs plusieurs centaines de salariés et là, va falloir vraiment acheter un. Ils vont vraiment prendre des trucs vachement plus intéressants, un routeur, des trucs comme ça qui vont vous permettre en fait d'accéder à bah, est-ce que plus beaucoup plus de personnes, voire des milliers de personnes, qui puissent se connecter au même réseau. Ça permet vraiment d'avoir un outil de travail vraiment efficace, comme ça tout le monde est connecté au même réseau et pourra faire leur propre partage de travail, de documents officiels ou de trucs comme ça. C'est super intéressant que d'avoir déjà à passer sur Internet, parce que là ils seront pas obligés de passer par Internet. Ou alors carrément de pouvoir accéder à tous ces fichiers-là sans avoir à accéder par Internet. Donc nous avons la classe A, la classe B, la classe C. Je vais tout simplement vous donner ces classes-là. Et puis après, je vais vous expliquer. De toute façon, je vous ai un peu expliqué à quoi sert tout ça. Oups. Donc 128 points. 0.0. On va pas mettre d'accent. 180. Bon, c'est relativement simple, hein, parce que comme on puisse le remarquer, en fait, on va enchaîner des 255 par exemple ici à la suite. Par contre, ça rentre pas dans mon cadre, mais bon, voilà, vous savez qu'il y a 3255 qui suivent, suivi d'un point, et que là, on va redescendre et qu'on va s'enchaîner à 192. 192. Zéro. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. C'est vraiment une vidéo, on va dire, très basique, mais il faut apprendre quand même certaines bases. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire parce que
C'est vrai que je sais même pas combien de temps la vidéo elle dure. Elle va durer au moins une demi-heure en fait finalement, je pense. Mais bon, en plus j'aurais même pas le temps de tout vous expliquer parce que j'aurais bien aimé expliquer masque de sous-réseau et tout, mais je pense que c'est important de, par contre, de ça, de le faire en plusieurs parties. Même si j'aime pas trop faire ce genre de série en plusieurs parties parce que les gens ils préfèrent une partie, mais c'est tellement long et à expliquer que voilà. Et puis surtout, j'aurais peut-être dû commencer par le binaire. Alors là, il y en a qui vont me dire, mais Christo, qu'est-ce que tu nous montres? On comprend actuellement rien, il y a plein de chiffres, des trucs comme ça. En fait, c'est que comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez plusieurs classes. Donc voilà, donc ça c'est une chose importante. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez deux catégories d'adresses IP. Enfin, non, il y a plein de catégories d'adresses IP plutôt. J'allais en dire trois, mais non. C'est-à-dire que globalement, vous avez cette adresse IP-là, qui est l'une des plus connues. Hein. Souvent, on vend en point en 190, point, blablabla. Et en fait, vous allez avoir plusieurs parties, dont la première partie qu'on appelle le Net ID et la deuxième partie qui s'appelle le Host ID. La première partie, tout simplement, le Net ID, se situe donc en début de l'adresse IP. Et le host ID, tout simplement, signifie la fin de l'adresse IP. Je vous dis ça, en fait, c'est au niveau du vocabulaire. Il est important de savoir, en fait, que signifie une adresse IP et la décomposition d'une adresse IP. Puis on en terminera là, parce qu'après, on va voir d'autres choses au niveau de l'adresse IP. Et puis après, on va voir, en fait, le binaire, des choses très, très simples. Et puis après, j'aimerais bien me lancer honnêtement dans la programmation. Donc après, ça reste. C'est à vous de voir, hein. N'oubliez pas de voter. Comme ça, moi, je vais voir à peu près ce que vous en pensez, tout ça. Hein, je prends mon temps, mais je pense que ça. Vous aimez bien souvent les vidéos un peu comme ça, un peu posées. Et puis, comme ça, je parle tranquillement, sans me dépêcher, sans être in the wash, comme on dit les Anglais. Alors, on va commencer. Donc, ici, on est vraiment dans une classe normalement assez basique. Où je vais commencer donc avec le Net ID. Je vais tout simplement le marquer si vous voulez refaire des recherches sur Internet, c'est pas de souci. Et avec le Host ID par exemple. Alors, le Net ID par exemple, ça représente. Alors, je vais vous dire. Alors, on va attaquer en fait une autre chose. Hop, j'ouvre juste ma page comme ça va me permettre vraiment d'être vraiment efficace. Attendez. Alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de classes. Il y en a beaucoup plus aussi. Dans l'avenir, on verra peut-être ça. Mais le plus important, c'est vraiment de voir ces types de classes-là. On appelle la classe A. Et après, je vais revenir en fait sur ça. Hein. C'est juste pour vous expliquer, parce que je me suis dit, sinon vous n'allez pas comprendre. On a la classe A, la classe B et la classe C. Alors, la première classe, la classe A, qui est située entre 0.0.0.0 à donc 127, 127 et 255, 255. Ah merde, ça va le décaler. Ok, super. Alors, ce que je vais faire comme ça sera plus propre. Voilà, donc 0.0.0 à 127.255.255.255.255. Je vais vous expliquer juste après pourquoi tous ces chiffres. Ouais, par la suite au niveau des calculs. Voilà. Et la classe C, par exemple, c'est allant de 192.0.0.0 à 223.255.255.255, blablabla. La classe ici qu'on a ici, que je vous ai montré depuis le début, c'est 192.168.0.1. Et en fait, cette classe-là, bah, tout simplement, vu qu'on part sur du 192, eh bien, actuellement, bah, ça va être cette classe-là. Ça va être la classe C. On verra par la suite que déterminer la classe C, la classe B et la classe A. Plus précisément, moi, je vous ai juste donné, on va dire, vraiment un résumé en vous disant bah, que, par exemple, souvent, on est en classe C parce qu'on se connecte à une box et la box ne vous demande pas forcément d'avoir 1000 adresses IP qui vont se connecter, enfin 1000 personnes qui vont se connecter sur une box. Non, ça facilite la tâche aussi, par exemple, aux opérateurs, à plein de choses. Hein. C'est une histoire de business aussi, quelque part, qui se retrouve là-dedans. Maintenant, on va parler au niveau du Net ID et du Host ID pour terminer la vidéo. Hop, je reprends juste ma feuille. Comme ça, je peux mieux vous expliquer. Donc, le Net ID qui se retrouve normalement au début, ouais, c'est ça. Et tout simplement, on appelle ça un identificateur de réseau. Et on a le Host ID qui est ici, qui est tout simplement un identificateur d'hôte. Alors, le Net ID, en gros, se retrouvera toujours au début de votre chiffre. Alors, attendez,
de votre adresse IP plutôt. Je vais juste copier, coller ici, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Non, pourquoi tu me fais ça? Donc alors, on a donc cette adresse IP là, comme je vous l'ai dit, hein, on ne va pas le répéter. Le NetID sera ceci. Et le host ID sera tout simplement les following. Donc ça sera ça. Alors, je vais le marquer quand même parce que c'est important. Le NetID, c'est tout simplement l'identificateur réseau. Identificateur réseau qu'on va mettre là comme ça. NetID, ok. Là, je me suis dit là, c'était bizarre. Et le host ID, qui est tout simplement identificateur hôte. Oui, bon, bah, moi je connais pas honnêtement les termes exacts, mais bon, je sais à quoi ça ressemble. Alors, en gros, dans une adresse IP, c'est aussi de composer de deux choses qui sont ces deux choses qui sont présentes ici sur l'écran que j'ai bien séparées. On va juste monter, ça sera un peu plus agréable. Voilà. De ces deux choses-là. Alors ici, le NetID, comme je vous l'ai dit, en fait, ça sera le début, soit 192. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Et le host ID, ça sera ces trois chiffres-là. À la suivie. Alors, ça permet d'identifier dans quel type de classe votre adresse IP est exactement. En se disant que vous êtes en chose de basique, on n'en a pas vraiment besoin dans l'avenir, mais c'est des choses quand même qu'il faut savoir parce que ça permet en fait de faire fonctionner tout appareil électronique. En gros, c'est je laisse passer le courant, je laisse pas passer le courant, puis voilà, ça permet vraiment de faire fonctionner tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, à la base, comment je peux vous expliquer tout ça? Parce que le binaire, ça sera dans une autre vidéo, je peux pas vraiment vous expliquer là, sinon on en a vraiment pour une demi-heure. Et vous allez lâcher au bout d'un moment. Je ne sais pas du tout. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais taper tout simplement le binaire qu'on retrouve au-dessus. Je ne sais pas du tout si je vais le faire. Parce qu'il faut expliquer après. Bon, alors ce que je vais faire, c'est on va le mettre. Je vais mettre le binaire qui est représenté. Mais je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo-là parce que on va l'expliquer prochainement. Sinon, ça va être vachement plus compliqué et tout. Et honnêtement, c'est pas le but ici. Vraiment, c'est de savoir à quoi sert vraiment une adresse IP et que représentent en fait actuellement tous ces chiffres-là. Je suis bête en fait, c'est 8 chiffres. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est bon. 3, 4. Hop. Attendez. Je vais juste compter parce que c'est un peu galère sur l'ordi. Voilà. Yop. Et on termine donc avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 1. Voilà. Donc en gros, l'adresse IP que je vous ai représentée ici. Hop. Et bien en fait, dans l'état initial, vraiment dans l'état voilà, pur, dans l'état nature, et bien l'ordinateur va l'interpréter comme ceci. Alors, tout simplement, je vais vous l'expliquer prochainement, mais juste pour vous donner une petite idée, c'est tout simplement, par exemple, ici, le dernier chiffre, le chiffre 1, eh bien, dans l'état binaire, soit dans l'état, en fait, 0, 1, ça veut tout simplement vous dire 7, 0 et 1, 1. Le 0, tout simplement, veut dire 0, donc on met 8, 0. Le 168 veut tout simplement dire, en fait, c'est un état de calcul. C'est-à-dire que on verra ça d'ici prochainement, mais il va falloir faire des calculs pour trouver ce chiffre-là. Donc il veut exprimer 168 et celui-ci 192. Donc on va rajouter les deux plus gros chiffres en fait, puisqu'ils sont au début. Et dans le binaire, c'est plus on va loin, comme ça dans ce sens-là, et plus les chiffres vont augmenter. Pourtant, c'est des zéros. Mais en fait, ce zéro-là veut signifie en fait tout simplement un chiffre. Qu'on expose en fait, on verra ça après, mais voilà. En tout cas, vous savez ça déjà que à la base, nous on le voit comme ça, mais à la base, c'est comme ça. Donc, ça, c'est une chose importante. Alors, deuxième chose aussi, c'est que on a cette accumulation là de quatre séries de chiffres, mais principalement, les gens ne voient pas, et même d'ailleurs, je l'ai dit au début, j'ai dit octet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire octet? C'est tout simplement.